Bonjour! Donc, je m'excuse encore pour le problème technique de ce matin. Je vais donc vous refaire la première partie de ma séance cardio-enfant d'aujourd'hui. Aussi, on m'a beaucoup parlé du problème d'éclairage. J'avais ajouté beaucoup de lumière, mais ça a l'air que ça faisait pas le travail comme que je pensais. Ça, c'était pas bien. Donc, je vais essayer de le faire dehors aujourd'hui. J'espère que vous allez bien m'entendre. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un un peu devant, mais on va en profiter, il fait beau, donc j'essaye dehors en ce moment. Vous m'en donnerez des nouvelles. Bienvenue de nouveau à cette deuxième séance de cardio-enfant. Je vais refaire ma petite introduction pour ceux qui ne l'ont pas vu pendant le live. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est jeudi, il fait beau, on fait notre deuxième séance. J'espère que vous avez de l'énergie. Donc, je me présente, mon nom est Gugun, je suis animatrice. Puis, j'espère qu'il y aura beaucoup d'énergie, on va faire plein d'activités ensemble. Là, on va refaire la première moitié de ce que j'avais fait. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai mangé tellement de chocolat de Pâques ce week-end que j'ai vraiment beaucoup d'énergie à dépenser. Il faut que je le sorte, donc on va en profiter ce matin pour faire ça. Et pendant la semaine dernière, j'avais parlé de vous costumer, si vous voulez, pendant le live. C'est pour ça que moi, je porte des fleurs aujourd'hui. J'aime beaucoup les fleurs. Puis, l'été, c'est ma saison préférée, donc j'ai décidé que j'allais porter des fleurs aujourd'hui. Et je voulais remercier aussi tous ceux qui étaient au live la semaine dernière. Ça a vraiment bien été, puis j'étais vraiment contente. Donc, on va essayer de faire un autre beau... là, c'est plus un live, mais une autre belle séance aujourd'hui. Et je voulais aussi remercier Hugo, Benjamin et Lucas qui ont vraiment bien participé. Ils ont écrit beaucoup de commentaires. Donc, merci, vous êtes vraiment super. Aussi, j'ai lu ce que vous avez écrit. Donc, je dis un beau bonjour à Camilla, à Logan... et à Zachary qui m'ont regardé la semaine dernière aussi. Donc, sur ce, on va commencer. Pour commencer, on va faire un échauffement. Donc, aujourd'hui, l'échauffement, ça va être basé sur des animaux qu'on retrouve dans le monde. Donc, pour commencer, on va faire l'oiseau. Alors, pour l'oiseau, tu vas... Ouh là là, il fait un peu frisquet. Tu vas battre les ailes de haut en bas et faire des très, très grands mouvements avec tes bras. Allez, on bat des ailes, on bat des ailes, en haut, en bas, en haut, en bas. Mais là, oh là là, il y a du vent et il y en a pour de vrai. Alors, on bat des ailes de devant derrière, devant derrière. On essaie de combattre le vent. Mais là, c'est que contrôle, il y a du vent partout. Les ailes vont dans tous les sens. Attention, on bouge, on bouge, on bouge. Et maintenant, on va faire la girafe. Alors, la girafe, ça va te mettre très grand. Les bras très hauts. Tu peux même te mettre sur la pointe des pieds. Et t'essaies d'être le plus grand possible. Pour aller chercher là, les feuilles au sommet de l'arbre. Tu veux manger la feuille la plus haute possible. Alors on s'étire. Et parlant de manger maintenant, on va devenir un autruche. Mais les autruches, ça mange des insectes qui se cachent dans le sable. Alors tu vas te pencher pour aller chercher les insectes dans le sable. On les cherche. Et maintenant, tu mets tes mains au sol. On va faire l'ours. Alors, les mains au sol, les pieds au sol. Tu vas marcher sur place comme un gros ours. Marche. Et finalement, on va devenir une toute petite grenouille. Alors, pour faire la grenouille, tu mets les mains devant toi et on va sauter le plus haut possible 6 fois. Attention, saute. 2. 3, encore, 4, saute, comme une grenouille. Une dernière fois. Ouh. Ok, alors on a échauffé ses bras, on a échauffé ses jambes. Maintenant, on va passer à de la danse. Aujourd'hui, j'ai prévu 3 danses pour vous. Donc, il va y avoir parmi les 3 danses, une danse de camp de jour. On va la garder pour la fin. Puis... si vous avez des suggestions de chansons que vous voudriez que je fasse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire aussi. Je suis très ouverte aux suggestions. Donc, on y va pour notre première chanson. On va taper 2 fois les mains dans les airs. Attention. 1, 2, l'autre côté. En bas. 1, 2, encore. 1, 2, 1, 2. Maintenant, plus vite, juste une fois. 1, 1, 1, 1. Encore. Yeah. Maintenant, on roule.
position droite sur le côté. Et attention, on va lever les genoux. Bravo! Alors ça, c'était notre première danse. Je te laisse un petit 20 secondes pour prendre une gorgée d'eau. Et ensuite, on va faire la deuxième. Donc la deuxième... la première chanson, je ne sais pas si tu l'as reconnue. C'est une chanson que j'aime beaucoup, mais... vu qu'elle bougeait pas beaucoup, j'ai trouvé un remix que j'ai téléchargé pour pouvoir danser un peu plus rapidement dessus. Là, la deuxième chanson qu'on va faire, c'est d'un artiste britannique que j'aime vraiment beaucoup et qui faisait partie d'un groupe avant. Donc peut-être que tu penses savoir c'est qui. On va commencer, attention. Tu marches sur le côté comme ça. Bravo, alors encore une petite gorgée d'eau avant de faire notre danse de quatre jours plutôt. Alors je te laisse le temps de prendre une gorgée. Allez, c'est parti! Alors c'est fini!
Après, tapez dans sa main en bas. Mettez les mains derrière la tête. Lève sa main. Et faire deux coups en avant avant de tourner dans le corps de tour. On ne tourne pas en complet, d'accord? On y va. En arrière, en avant, en avant. Là, en avant, en avant. Et là, on a terminé le premier tour. On continue. Main, main, en avant, en avant. Maintenant, on marche sur le côté. De côté. 1, 2, 3, 4, ouais. Et ça, maintenant, on va descendre en bougeant les hanches comme ça. C'est parti. On remonte. On redescend. On remonte. Et là, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, lève le genou. 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 On continue. Ouais. On retourne avec les mains. Mains, mains devant, devant. Un autre tour. Et on marche sur les côtés. On va rajouter quelque chose. Maintenant, on va tourner. Attention, tourne. Et on retourne. On tourne. On retourne. On tourne. Et on descend. On relève. On redescend. On relève. Et on compte jusqu'à 3 maintenant. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. Ouais, on continue. On a fait la moitié. Oye, muchacho. Lève bien, bien haut ton genou. Tu sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Y a todo el mundo sabe que es lo que antes de La Habana. Attention, on va refaire les mains. Main, main devant, devant. Main, main devant, devant. Un autre tour. Et on marche sur les côtés. Et on tourne. On va descendre une dernière fois. Je veux te voir bouger super beaucoup les hanches. Attention, on descend. On remonte. On descend. On remonte. Bravo. Alors, c'était la partie de ce matin qui a eu un petit problème technique. J'espère que vous me voyez mieux quand je suis dehors. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi. Parce que si c'est le cas et qu'il fait beau jeudi prochain, je vais sûrement faire ma séance dehors. Alors, bonne fin de journée!